train, avez-vous peur qu'on soit en train de changer le monde, de multiplier les sources d'information et de communication, les sources de mémoire à l'extérieur du cerveau que sont les banques de données, au point où on va avoir un effet, qu'on va altérer notre cerveau, nos descendants auront un cerveau différent? Moi, j'ai moins peur de l'avenir que ce que votre question suppose, parce que j'ai confiance dans le savoir humain. J'ai confiance dans l'évolution même du savoir scientifique, en neurologie et, bon, écoutez, ce que madame raconte, c'est merveilleux, vous entendiez ça, là. C'est quelque chose de très beau. À ma manière, que voulez-vous, la solidarité qui existe dans le cerveau, la solidarité des muscles, des tissus, et pour moi, c'est un appel à la solidarité humaine. C'est que physiquement, physiologiquement, je prends vraiment des mots gauches, hein, je n'ai pas des mots, moi, je ne suis pas savant, mais neurologiquement, on est appelé à la solidarité. Je parle de solidarité, disons, entre nous, pour des raisons même neurologiques, imiter le physique pour découvrir la grandeur de l'esprit. Cette solidarité dont vous parlez, Père Lacroix, moi, ça m'a fait tout de suite penser au phénomène cérébral qu'on appelle la plasticité. La plasticité cérébrale, Madame Milner, vous pouvez en parler longtemps, hein, c'est quelque chose qui est une forme de solidarité des cellules neuronales qui fait en sorte que lorsqu'il y a une lésion, il y a d'autres cellules qui vont prendre la relève. C'est un appel. Oui. C'est un appel de la part des savants. Oui. Qui le font d'une manière scientifique, pour nous qui devons le faire d'une manière peut-être humaniste. Oui. C'est l'appel du corps à respecter l'esprit, c'est l'appel de l'esprit à s'élargir. Au exact. Fond, la leçon que j'ai entendue, c'était très beau ce que vous disiez, là, mais c'est ça. C'est la leçon du corps. C'est une leçon. Le corps petite nous base. Parle. Hein. Arrêtons de le traiter comme un ennemi. Et les savants nous parlent. Ils ne sont pas simplement des gens qui alignent des découvertes scientifiques, ce sont des gens qui vivent la solidarité à l'intérieur de leur savoir et qui nous donnent la leçon. Pourquoi ne pas rester solidaire, puisque déjà mon corps m'appelle à cela?